couloir? Non. Non? Eh bien, on va se dire bonjour alors. Je dis bonjour le matin à tous mes petits copains. Ah, que j'aime bien l'école et comme le temps s'envole. Je dis bonjour le matin à tous mes petits copains. Bonjour les amis. Bonjour madame. Est-ce que vous allez bien? Oui. Donc en fait, on se rend compte que de plus en plus jeunes, les enfants sont en décrochage scolaire. Et de plus en plus jeunes, nous devons les envoyer dans des centres de guidance ou chez des logopèdes. Donc avec les institutrices maternelles, on a réfléchi au problème et on s'est attardé plutôt à réfléchir sur l'accrochage scolaire. Donc comment accrocher les enfants au système scolaire dès leur plus jeune âge et comment aussi les aider à participer à des apprentissages scolaires mais dès le plus jeune âge, dès 2 ans et demi. Ce qui nous paraît vraiment essentiel dans la scolarité d'un enfant. Et vous avez identifié des aspects plus spécifiques de l'accrochage? Oui. Donc au fait, j'ai 2 institutrices de l'école maternelle qui ont participé à une recherche-action avec notre animatrice Christine Jamard. Donc, lors de cette recherche-action, elles ont travaillé sur 10 facettes de l'enseignement. Donc, il y avait notamment l'ouverture au monde, il y avait la gestion du temps, la gestion de l'espace. Et il y avait aussi l'accueil et l'apprentissage en lui-même. Donc, nous sommes penchés bien spécifiquement sur l'accueil et l'apprentissage. Donc, comment accueillir les enfants dans l'école pour qu'ils s'y sentent bien, parce qu'on estime que si un enfant est bien dans son école, il a déjà beaucoup plus de chances pour réussir. Et alors sur l'apprentissage en lui-même, nous avons créé une grille d'analyse. Donc lors de chaque apprentissage, donc dès la maternelle, l'institutrice veille vraiment à observer l'enfant et à noter les difficultés que l'enfant éprouve pour pouvoir remédier directement, sans attendre une échéance beaucoup plus longue. Vous avez donc par rapport à tout cela, comment dirais-je, une recherche ou une réflexion pour l'année prochaine? Oui, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Donc cette année, nous avons surtout travaillé l'accueil et l'apprentissage. L'année prochaine, on voudrait bien travailler un petit peu plus en profondeur l'ouverture au monde. Donc un petit peu sortir des bâtiments, sortir des murs de l'école pour aller découvrir tout ce qui entoure l'enfant. Et la gestion de l'espace et du temps, ce qui nous paraît aussi quelque chose d'essentiel dans l'organisation d'une école, que ce soit maternelle, mais même aussi primaire. Donc notre recherche ne va pas se limiter au maternel, mais on voudrait bien le prolonger pour l'enseignement primaire. Il ne faut pas vous inquiéter si vous ne savez pas faire, ce n'est pas grave, c'est normal quand on apprend. Ça va? D'accord? Julien, tu regardes bien? Alors voilà, je vais donner à chacun une manche. Voilà. Voilà. Allez. On met celle à chaque lobe. Et voilà. Alors, vous allez ouvrir la petite enveloppe et enlever toutes les petites étiquettes qui sont dans l'enveloppe. On les met sur le jeu. Voilà. Tu les mets bien toutes. Qu'est-ce qu'on a sur la plaque? On a des petites écritures. Oui, et là, c'est quoi ça? C'est une dame ou un monsieur? Un monsieur, une dame, un visage. Et bien, puis on montre ce qui c'est la partie du Voilà, Julien a tout compris. Avec les petites étiquettes que vous avez, vous allez mettre le même mot quand vous le retrouvez en dessous de vous. Ça va? Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, allez-y. Voilà, et allez, laisse cette partie. Ah, mais il faut mettre tout ça. Hein? C'est le
Voilà, très bien. C'est très bien, tu peux continuer. Moi, je vais mettre le pen. Curieux, se pose des questions, manifeste son envie de comprendre, se donne des stratégies de recherche, oui. Prend conscience de l'idée de code, la lettre d'un ordre pour constituer un mot, oui, ok. Fait le lien entre les mots et le sens du mot, oui. Très bien. Ayant sa lecture de gauche-droite, oui. Prend conscience, une forme globale silhouette, ok. Prends conscience de la longueur du mot. Oh oui, très bien, aussi. Prends conscience que le mot est là. Non, moi je n'ai pas vu. Oui, une recherche-action. L'année dernière, pendant 4 jours, et cette année ici, pendant 2 journées. C'est une Christine Jamard, une animatrice, animateur pédagogique qui a demandé dans plusieurs écoles de Serein de suivre cette formation pour des institutrices maternelles. Et nous étions entre 15 et 20 à suivre cette formation. Ici à l'école, nous sommes 2 à avoir participé à la formation. Ici, nous avons construit une grille d'observation pour des activités d'apprentissage. Et cette activité ici, c'était un savoir-lire. Il y a des compétences transversales, des compétences disciplinaires. On observe les enfants en train de travailler. On regarde, par exemple, si l'enfant a conscience de l'idée du code, que les lettres ont un ordre bien précis, un ordre alphabétique. Les enfants ici, plusieurs enfants ont très bien fait le lien entre les mots et le sens du mot, puisqu'il y avait chaque fois une flèche qui correspondait à la partie du visage. Orienter la lecture, le sens de la lecture, pardon. Ils ont bien retourné les mots. Parfois, un enfant mettait le mot à l'envers de lui-même et le retournait pour regarder si c'était bien le bon mot correct. Évidemment, ici, il y avait des mots qui parfois commençaient par la même lettre. Donc, ils se rendent compte de la longueur du mot. Par exemple, le mot menton, le mot moustache commencent par la même lettre. Mais ils regardent la longueur, la deuxième lettre, la troisième lettre, toutes les lettres. Pour la grandeur du mot. Et puis la silhouette du mot aussi. S'il y a des lettres plus grandes, des lettres vers le haut, des lettres vers le bas. Certains enfants avaient aussi 2 typographies différentes. Donc là, c'est un niveau supérieur. Et ils se sont vraiment très bien sorti, ça s'est bien passé. Évidemment, ils ne sont pas arrivés au bout parce qu'une activité comme ça, c'est impossible de la réaliser en une seule fois. C'est un apprentissage et ça se fait 2, 3, 4, 5, 10 fois avec d'autres activités dans le même style, mais variées.